Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Ah, si Jésus n'était pas ressuscité, on perdrait notre temps ici dans cette église avec un petit troupeau que nous sommes ici. Eh bien, vous perdrez le temps à regarder des messes, à prier chez vous, à galérer, à vous connecter. Comment on fait ça? Le son ne marche pas, ça coupe, etc. Bon. Mais Jésus est vraiment ressuscité, il est vraiment vivant et ça change tout. Amen ou pas amen? Amen. Alors, je sais que vous êtes là, il y a certains peut-être qui nous regardent, qui regardent cette messe pour la première fois. Et vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas comme ça, comme d'habitude. Ben oui, la messe à Fréjus Plage, c'est un tout petit peu, c'est pas différent, mais c'est un tout petit peu animé, disons. Donc, quand je vous demande amen ou pas amen, ça veut dire tu crois ou vous croyez pas. Et si vous dites amen, vous répondez amen, c'est pas un péché, ça veut dire j'adhère, je crois, oui, c'est la vérité, je suis d'accord. Donc, c'est pareil pour ceux qui nous écoutent à la radio RCF. Soyez encore une fois le bienvenu. Alors aujourd'hui, comme je disais au début de cette Eucharistie, nous avons la joie, une double joie, parce que nous sommes toujours dans la période liturgique pascale, c'est toujours la fête de Pâques, c'est pourquoi on se salue à chaque messe, chez nous en tout cas, le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, voilà. Mais aussi c'est une joie parce que Jésus nous donne de voir, de connaître son identité profonde, sa nature profonde. Et aujourd'hui, il se dévoile, il se montre à nos yeux comme un berger. Mais pas seulement un berger, un pasteur, mais un bon berger. Alors, c'était un peu difficile quand même de préparer cette homélie, parce que à la fois, cet évangile, selon saint Jean, où Jésus se présente comme le bon berger, pour les chrétiens que nous sommes, en tout cas pour les chrétiens qui m'écoutent, vous avez entendu au moins une fois dans leur vie que Jésus c'est un bon berger, ou bien quand vous allez même à des funérailles ou des baptêmes, souvent on prend le psaume qu'on a entendu aujourd'hui, « Le Seigneur est mon berger, nananana, nanana ». Donc c'est un refrain hyper connu. Et donc, on a l'impression qu'on sait tout, quoi. Enfin, moi, lui, le bon berger, le Seigneur est berger. Et c'est un tout petit peu difficile pour moi pour préparer un message, pas seulement une homélie. Je n'aime pas ce mot homélie parce que ça fait un peu homélie, un peu vieillot, mais un message. Un message qui doit nous apporter un plus, quelque chose qui va nous porter, qui va nous pousser, qui va nous encourager à aller plus loin dans notre vie. Alors tout d'abord, je me suis dit, bon, allez, qu'est-ce qu'on peut dire pour le berger, le bon berger? Tout d'abord, je commence à imaginer la scène qu'on voit souvent, ces bergers qui sont avec leurs troupeaux, qui portent les petits agneaux sur les épaules, comme c'est mignon, c'est romantique, c'est beau. Alors tous les cœurs féminins qui s'extasient devant, comme c'est magnifique, un petit agneau, tout ça, et c'est bien, c'est bien. Mais en fait, on ne se rend pas compte que le métier du berger, c'est un métier pour les vrais mecs ou pour les vraies femmes, les femmes debout, les femmes courageuses. C'est-à-dire que le métier du berger, il faut un sacré courage, c'est rude et c'est exigeant. Pourquoi? Parce qu'un berger dans la nature, avec son troupeau, ben, il doit veiller sur son troupeau, il doit être hyper attentif, déjà attentif au troupeau en général, mais aussi à chaque brebis, si soigner une brebis qui est malade, de séparer des autres, etc. Un berger doit être attentif au niveau à la météo, il doit être super attentif, parce que si un orage arrive et ils sont encore en pleine montagne, par exemple, mais ça peut être terminé grave. Et aussi, un berger, ça demande ça demande une certaine persévérance, malgré tout. Oh, aujourd'hui, je n'ai pas envie, j'ai envie de regarder plutôt du Netflix parce que je suis un peu fatigué. Ben non, pas de Netflix, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain, parce que tu dois être avec ton troupeau là, au milieu des montagnes, etc. etc.
Donc c'est sacré, c'est un sacré boulot. Et si Jésus prend cette image-là, ce n'est pas par hasard. Parce que tout d'abord, dans la Bible, dans la parole de Dieu, le berger par excellence, ce n'est pas un humain. Le berger par excellence, c'est Dieu. Amen ou pas amen. Et c'est très, très, c'est une très bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'avec ce que je viens de vous dire, avec toutes ces exigences, avec ce travail rude du berger, c'est Dieu qui nous dit, mais moi, je suis votre berger. Regardez le boulot que j'ai fait pour vous, parce que je vous aime. Waouh, c'est, prenons conscience de ce que Dieu n'est pas juste un esprit désincarné, un tout, qu'il faut s'effondrer dedans. Non, Dieu, c'est quelqu'un qui nous aime et qui, son désir le plus profond, c'est de prendre soin de nous, de nous protéger, de nous guider. Et c'est ça derrière cette image. Alors, pour ne pas être trop dans le flou encore, j'étais frappé quand même par trois paroles. Trois choses bien concrètes de ce berger. Jésus nous dit aujourd'hui dans l'évangile qu'il est à la tête de son troupeau. Il sort et le troupeau le suit. En fait, Jésus précède le berger, le bon berger, Jésus précède son troupeau. C'est très, très important pour nous parce que combien de vous, aujourd'hui même, vous vous posez des questions sur votre avenir et comment ça va être quand ça va être on va être déconfiné et comment ça va être pour mon travail et comment ça va être pour ma famille dans les jours, dans les semaines qui viennent, mais aussi dans les, peut-être des mois, peut-être des années. Qu'est-ce que ça va être? Et qu'est-ce que ça va être? Et j'ai vu encore, il y a quelqu'un qui me disait, si je pense trop à mon avenir proche, je deviens trop angoissé. Alors, je me distrais. Alors, c'est un choix qu'on peut poser. On peut se distraire. On peut faire une petite fuite dans les films, dans les séries, dans la musique. On peut fuir la réalité. C'est possible. Mais est-ce que ça va ou dans les autres choses? Peut-être, je sais pas, peut-être pas parmi vous, mais il y a d'autres personnes qui fuient dans l'alcool ou même dans les drogues. Bon, c'est une façon d'aborder la difficulté de la vie. Mais il y a une autre façon d'aborder cette difficulté. C'est regarder justement Jésus, le bon berger. Si Jésus sort en avant de son troupeau, c'est-à-dire qu'il nous prépare quelque chose et il nous guide. C'est le premier qui affronte, qui prend la tempête sur lui-même, c'est lui. Ce n'est pas le troupeau, parce que le troupeau le suit. Eh bien, le suit. Et c'est pourquoi c'est tellement important de se recentrer sur Jésus. C'est tellement important de se dire, mais qui est en fait? Qui est ce Jésus? Quelle est sa nature? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait pour moi? Eh bien, il sort en avance. Et bien sûr, bon, je ne dis pas qu'il faut fuir dans la prière, genre je ferme les yeux, je fais nirvana catholique, voilà, il n'y a plus de difficultés, tout est disparu, ça y est, Jésus fait tout à ma place. Ce n'est pas ça. Mais au contraire, je prépare mon avenir, j'essaye pauvrement, simplement ce que je peux faire, mais surtout j'ai dit Jésus. C'est toi mon sauveur. Amen ou pas amen? C'est tellement important. Seigneur, Jésus, si toi tu t'es dit à moi, enfin tu as dit à moi que tu es mon bon berger qui sort en avant de moi, ben Seigneur, je te fais confiance. J'ai vraiment, pour une fois, ou peut-être pour peu de fois dans ma vie, je me sens comme une brebis qu'il faut guider. Et Seigneur, c'est toi qui dois me guider. Je te fais pleine confiance. Je ne sais pas qu'est-ce qui va m'attendre, mais je te fais pleine confiance parce que je sais que j'ai mis ma confiance en quelqu'un qui est plus fort que tout. Amen ou pas amen? Ça, c'est Jésus qui a dit, hein, c'est pas moi, je n'invente pas grand-chose, hein, en fait. Donc ça, c'est important. Il dévance, il est en avant, il nous précède en tout, dans nos problèmes de santé, de travail, de toutes choses. Faisons confiance à lui. Abandonnons notre vie comme une brebis qui doit abandonner sa vie dans les mains d'un bon berger. Deuxième chose, deuxième point qui me touche aujourd'hui, c'est qui parle de Jésus, qui parle de bon berger, c'est qu'on n'a pas lu ça dans l'évangile d'aujourd'hui, mais il fallait juste prolonger d'un verset en moins, c'est-à-dire le verset qui suit et les autres versets,
dans ce chapitre de l'Évangile selon saint Jean, donc le chapitre 10, c'est que Jésus dit « Moi, je suis le bon berger. » Attention. « Le bon berger dépose sa vie pour ses brebis. » Alors vous allez me dire « Non, ce n'est pas dépose, c'est donne. » En fait, ces mêmes mots en grec, on peut traduire en deux façons. « Donne sa vie. » Mais du coup, si je vous dis « donne sa vie », oui, il faut donner sa vie. Enfin, ça, on est trop habitué à donner sa vie, donner sa vie. Mais en fait, en grec, le plus juste, ça veut dire, Jésus dit « je dépose ma vie ». C'est extraordinaire. C'est comme, vous savez, j'ai avec des frères et sœurs de ma fraternité, de ma communauté, depuis quelques semaines maintenant, de temps en temps, on est appelé à livrer la nourriture à des personnes qui sont dans le besoin, ici dans notre région, dans notre coin, avec une association catholique. Et justement, on prend la nourriture, on prend des sachets de nourriture, et on doit les déposer au seuil de la maison, au portail. On dépose cette nourriture et la personne qui sort de la maison pour avoir cette nourriture, elle doit prendre cette nourriture. Et en fait, c'est pas rien ça. Jésus nous dit, le bon berger dépose sa vie pour ses brebis comme un cadeau. Mais c'est aux brebis, enfin c'est à nous, enfin brebis c'est une image, c'est à nous de se dire, je prends sa vie ou je la laisse. J'accepte où je dis, ouais, c'est bien gentil, mais ce n'est pas pour moi. Et c'est pourquoi Jésus dit, justement, aujourd'hui, par contre, dans cet évangile qu'on vient d'entendre, moi, je suis venu pour que le brebis, pour que nous ayons la vie, et cette vie en abondance, c'est-à-dire une vie en plénitude. Une vie en plénitude, c'est justement, il n'y a rien qui me manque. Et encore le psaume d'aujourd'hui, le Seigneur est mon berger, rien ne saura me manquer, rien. Mais parce que Dieu dépose une vie, une promesse incroyable d'une vie en plénitude. Alors, encore une fois, je ne vous dis pas qu'une fois que vous acceptez Jésus dans votre vie pleinement et à fond, ça va vous donner genre le bien matériel à fond, ça y est, je baigne dans l'or, dans les diamants, tout va bien. Non, mais il y a des gens qui n'ont pas grand-chose dans leur vie, qui peut-être même aujourd'hui, il y a peut-être ceux qui nous regardent, qui écoutent à la radio, qui entendent ces paroles, qui vous disent « Je suis très pauvre, il y a beaucoup de choses qui me manquent, bon, je n'ai pas de Ferrari, même ma voiture, est, au contraire, elle est très, très, très vieille, en train de perdre des pièces quand je roule, ou d'autres choses. » Mais vous dites « Malgré tout, je suis comblé, je suis heureux, je suis heureuse. » C'est bizarre parce que le monde, notre monde d'aujourd'hui nous dit « Oui, si tu n'as pas ça, tu es malheureux. Si tu n'as pas ça, tu es aussi malheureux. Si tu n'as pas de dernier truc, tu es malheureux. » Et toi, tu dis « Mais non, je n'ai pas de dernier truc. Il y a ma maison fuite, et quand il y a de la pluie, l'eau coule. » Et pourtant, c'est bizarre, c'est contradictoire, mais je suis en plénitude. Je suis heureux, je suis heureuse. Et justement parce que c'est ça, c'est le Seigneur vient, Jésus vient et il dépose sa vie, et cette vie accueillie en nous, dans notre cœur, à fond. Cette vie produit le sentiment, la conviction que tout peut s'écrouler, mais je suis bien. Amen ou pas, amen. Et c'est là, et c'est vraiment génial. Et en même temps, ce truc-là, en fait, c'est pas un truc, mais c'est profond. Au contraire, mais cette chose-là, ce que Jésus nous donne, nous pousse, nous aussi, justement, nous les chrétiens, au moins les chrétiens, ceux qui écoutent ces paroles, ceux qui vivent, c'est de faire la même chose. Imiter un peu, au moins, le bon berger. À notre petite échelle, petit niveau, je dépose ma vie, justement, pour les autres. Alors, je ne vais pas me sacrifier, hein. Il ne s'agit pas de s'immoler pour les autres, mais je me donne aux autres. Je ne garde pas seulement ma vie pour être dans ce bonheur, moi, et encore moi, mais au contraire, je me donne comme Jésus s'est donné à nous, à mon petit niveau, avec des gestes simples, des miséricordes, des bontés, des gestes, des donations de soi, des charités. Et c'est tellement important pendant notre temps difficile que nous vivons maintenant. Si chacun de nous pourrait faire
un appel téléphonique à quelqu'un qu'on n'a pas appelé depuis longtemps. Si quelqu'un pourrait penser à son voisin, est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'elle va bien? Est-ce que cette personne âgée que je connais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui lui fait les courses? Est-ce que des trucs hyper simples, mais ce sont des gestes de déposer sa vie aux autres, ça pourrait notre monde, malgré les confinements, malgré l'épidémie, etc., etc., on pourrait être beaucoup, beaucoup mieux et on pourrait vraiment gagner encore plus en fraternité, en joie d'être ensemble, d'avancer ensemble. Et le troisième point, c'est que, qui ne se trouve pas dans l'évangile d'aujourd'hui, mais ça m'a frappé aussi quand j'ai pensé au bon berger, qui se trouve quand même, ces points troisièmes, se trouvent quand même dans les évangiles, c'est que Jésus utilisait cette image du bon berger à d'autres reprises, notamment dans la reprise, dans l'histoire qu'il a donnée sur la brebis perdue. Hein, vous voyez, c'est cette brebis qui était le berger qui avait le troupeau de 80 de son brebis, et il y avait une s'est perdue, il y avait 99 qui sont restés dans l'enclos, tranquilles, sous la protection du bon berger, mais et pourtant, le berger est parti chercher la celle qui était perdue. Ça nous donne l'image de ces bergers qui sortent. Il sort pas seulement pour guider son troupeau, ce n'est pas seulement le berger qui dépose sa vie, mais c'est un berger qui sort à peine une brebis qui s'est perdue. Et c'est ça que le Seigneur fait avec nous. Et regardez ce que dit justement la deuxième lecture aujourd'hui, Saint Pierre nous dit que nous avons été errants comme des brebis, mais c'est grâce à Jésus, le bon berger qui est venu nous chercher une après une, et bien nous sommes maintenant avec lui. Et il est le gardien de nos âmes. Nous avons été errants. Et il y a beaucoup de gens qui vivent aujourd'hui même d'une manière plus forte que les autres moments dans notre vie, dans notre histoire, de notre pays. C'est cette espèce d'égarement, comme des brebis qui ont perdu la boussole, qui sont là, qui vivent leur vie, mais encore pendant cette épidémie, en fait, on s'est dit, mais enfin, ça sert à quoi ma vie finalement? Il y a encore un monsieur qui nous a livré récemment un petit témoignage, je crois que c'était hier ou avant-hier, on a croisé comme ça un paroissien, peut-être qui est en train de nous écouter, qui disait à un de nous, mais c'est incroyable, mais c'est seulement pendant cette épidémie, je prends conscience combien de temps j'ai déjà vécu et combien de temps il me reste plus ou moins à vivre. En fait, c'est pas beaucoup. Et il y a beaucoup de gens, probablement, peut-être vous-même, vous me regardez, vous m'écoutez, vous me dites, mais en fait, je ne sais pas, c'est jusqu'à maintenant, le rythme de la vie, les préoccupations économiques de ma famille, etc., j'étais dans un rythme de ma vie, je ne voyais pas trop les choses, mais maintenant, une fois que tout s'est arrêté, en fait, je me rends compte qu'en fait, ma vie, je ne sais plus, je ne sais plus. Je ne sais plus qu'est-ce que ça veut dire de vivre, que le sens de ma vie, je me sens perdu. Et la bonne nouvelle, encore une fois, c'est cela. Jésus est sorti pour vous. Il sort pour vous. Il sort vous chercher. Si vous êtes justement, si vous sentez comme vous étiez paumé, un peu perdu, sachez qu'il est en route. Il est tout près de vous. Il est à votre porte. Il est juste devant vous. Jésus, le gardien de nos âmes, c'est lui qui sort sans cesse pour nous chercher et nous sauver et nous prendre sous ses épaules. Il est là. S'il vous plaît, ouvrons nos portes, ouvrons nos familles, ouvrons notre société, notre travail, notre façon de vivre à ces bons bergers. C'est Jésus vient nous chercher, qui veut se joindre à nous. Son plus grand désir, ce n'est pas de nous juger, ce n'est pas de nous dire, ouais, tu vois la vie que tu as menée jusqu'à maintenant, tu as complètement gaspillé ta vie, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Il n'est pas comme ça. De toute façon, il connaît chacune de nos vies. Il était déjà, quand on était loin de lui, d'une manière cachée, d'une manière
discrète. Il était déjà là. Déjà là, il ne nous a pas reproché de nos choix. Mais il attend. Il attend simplement que nous puissions nous tourner et reconnaître que nous sommes son brebis, ses brebis, et c'est lui, le bon berger, qui donne sa vie pour nous, qui veut nous guider, qui veut nous donner la vie en plénitude. Acceptes-tu d'être une brebis du Seigneur, une brebis de Jésus? Acceptes-tu de le suivre, d'ouvrir son cœur à sa présence? Je vous propose maintenant de... Peut-être c'est un tout petit peu difficile, surtout pour les familles, les enfants courent un peu à la maison en ces moments-là, mais je vous propose quand même de fermer les yeux. Peut-être qu'il y a une de ces paroles à vraiment à toucher ton cœur. Il y a quelque chose qui est en train de résonner en toi. Alors, ce n'est pas la parole du Père Robert, je pense que c'est Jésus lui-même qui utilise le pauvre prêtre que je suis pour quand même te parler. Si tu me permets, fermer les yeux en cet instant, juste un instant. Essaye de te souvenir maintenant de cette parole qui t'a parlé là, cette parole qui a résonné dans ton cœur. Tu peux dire à Jésus maintenant, Seigneur Jésus, je t'accueille. J'accueille ta vie déposée pour moi. J'accueille sur moi, sur ma vie et sur ma famille le pouvoir, la puissance du bon berger. Je l'accueille. Seigneur, guide-nous, guide ma vie, mais aussi guide la vie de ma famille. Et peut-être pour certains, vous pouvez prier aussi, Seigneur, guide aussi notre société, notre France. On a besoin de toi. Et tu peux dire aussi, Seigneur, aide-moi à me donner à mon tour, comme toi tu t'es donné, pour que les autres puissent avoir cette vie. Aide-moi, Jésus, d'être à ton image et à ta ressemblance. Ainsi soit-il. Amen.